Maître record de France Denis, ici à Liévin. Sur ce sixième et dernier essai pour Yves. Pour prendre la tête du concours, il faut faire plus de 20,08. Et pour battre le record de France, il faut lancer à plus de 20,01 m. Un petit mot et une performance, 20,11 m pour Yves Niaret, c'est le record de France, nouveau record de France indoor en ce qui concerne le lancer du poids. Yves Niaret, voilà, avec des concours qui ont commencé très tôt, Renaud Longuev dans cette réunion de Liévin. Mais voilà, on parle des records du monde qui ont été signés du côté de Liévin, mais il y a aussi des records de France et Yves Niaret qui entame très très bien sa saison. 20,11 m, nouveau record de France, avec une nouvelle cage, ça ce sont les nouvelles règles I2AF. Oui, ce qu'on vient de voir à l'image, c'est... Oui, bravo à Yves Niaret, record de France battu. C'est le premier record de France dans cette nouvelle version de la salle de Liévin. Et c'est à signaler, il a fait un concours très près de la ligne des 20 mètres. Il lui fallait faire 20,01 et là, c'est sorti au dernier essai avec sa technique en rotation. Il a propulsé le boulet de 7,260 kg à 20,11 m. Allez, 20,11 m, hein, le concours de Yves Niaret, 19,87 à la deuxième tentative, 19,94, 19,97 et donc 20,11 m. Une seule fois, il a franchi les 20 mètres, mais un concours très très régulier. Oui, Samir, avec Yves Niaret, nouveau recordman de France, enfin qui a amélioré Exactement. Le record de France. Il a amélioré le record de France, 20,11 m, donc pour le moment, la plus belle performance de la soirée. Ah ouais, voilà, je suis très content parce que bon, déjà, j'avais confirmé un peu en Picardie où j'avais fait 19,95 m et mordu un jet à 20,30 m. Donc c'est vrai que bon, j'ai été un peu surpris par le dernier jet du russe, Pavel, mais j'aurais bien aimé gagner le concours, ça aurait été vraiment bien. En même temps, c'est bon signe, il y a une super ambiance ici à Liévin, vous venez de me le dire, et puis surtout le concours, à chaque fois les gestes se sont améliorés. Ouais, à chaque fois, dans mon concours, je suis assez régulier, ça monte, 97, 95, 20,11 m au dernier. J'ai fait quelques grégages au dernier et puis j'ai senti que je pouvais aller encore beaucoup plus loin. Donc si j'avais eu un septième essai, je pense que j'aurais fait les 20,30 m que j'ai confirmé en Picardie. Mais c'est que partie remise, mais bon, je ne me fixe aucune limite. J'ai ma compagne qui m'a accompagné, elle était là pour voir ce superbe jet. Donc le public était chaleureux et puis super concours avec de la concurrence. S'il n'y a pas de limite cette saison, quels sont les objectifs ? Mes objectifs, déjà, bon, c'est renouer avec les salles parce que ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Avec les salles, les championnats en salle. Et puis, les objectifs de l'année, c'est quand même les championnats du monde à Berlin. Et bon, faire un résultat aux Europes, quelque chose de correct. Mais comme je commence à être régulier à 20 mètres, là, c'est mes premiers 20 mètres en salle ce soir. Donc, je suis assez fier de ça. Et puis, je suis très content que ça s'est passé comme cela, quoi. Bien, félicitations et merci.